la Norvège. Et quitte à aller au nord, autant aller tout au nord. A priori, pas vraiment de raison d'aller là-bas, sauf quand on adore les trains. La voilà. Celle-là, je suis content de la voir parce que c'est quand même la gare la plus au nord de tout le réseau ferroviaire européen. C'est le bout du bout. Narvik. Comme c'est quand même très au nord, il fait un peu frais. On est sur une petite base de moins 7 là. En latitude, on est plus au nord encore que l'Islande. Et donc, premier train. C'est parti. Mon voyage va donc commencer sur une toute petite ligne, un tout petit train qui serpente à travers les fjords et les montagnes enneigées. En Norvège, l'hiver est rude. Ce n'est pas vraiment la saison pour faire de longs voyages, pas beaucoup de monde dans les wagons. Mais pourtant, il règne un je ne sais quoi de paisible, de chaleureux. Ah, c'est vraiment beau. Et alors, ce qui est beau ici, tout de suite, c'est les couleurs. Les couleurs sont différentes. Le lac est un peu rouge, le ciel est d'un bleu un peu métallique. On est en Europe et au bout du monde. Bonjour. Bonjour. Ça va, ça va ? Oui. Et c'est magnifique, on a le train à peine parti que c'est sublime. J'adore. Le nord de la Norvège possède certainement les plus beaux paysages du monde. Et les Norvégiennes sont très modestes. C'est assez difficile de rester modeste quand on voit une beauté pareille, non ? Vraiment ? Et sur ce nord de la Norvège, qui est vraiment très 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 au nord, les températures peuvent descendre jusqu'à combien ici ? Par exemple, je me souviens une fois dans mon village de Chaune, plus au nord qu'ici, on a eu moins 45 degrés pendant une semaine. Eh bien, quand j'allais travailler à pied, ce qui n'était qu'à 500-600 mètres de chez moi, sur le chemin, mes cils gelaient. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux, mes cheveux aussi gelaient et le nez aussi. Donc, vivre ici, c'est une sorte de challenge. C'est vrai que c'est sauvage, c'est hostile. Et en même temps, on a envie d'y rester, parce que c'est juste sublime. Quand les conditions sont difficiles, ça te force à changer ta façon de vivre, car tu dois t'adapter à la rudesse de l'hiver. Et ici, tout est pensé pour ça. La nature nous rend comme ça. Donc je pense que les Norvégiens sont les gens les plus chaleureux que tu puisses rencontrer. À cause de cette nature, on se doit de faire attention aux autres, aux gens qui nous entourent. Il y a une entraide entre nous, et ça, c'est à cause de notre environnement. Vous pouvez nous donner des exemples de cette entraide ? Ici, nous ne sommes que 5,5 millions d'habitants et on vit éparpillés sur un large territoire qui est froid et rigoureux. Alors depuis les temps anciens, il a été plus que nécessaire pour notre peuple de rester toujours ensemble, unis. Et puis tu ne peux pas vraiment choisir tes amis, car quand tu vis dans un tout petit village de 500 ou 600 habitants, ton voisin est forcément ton meilleur ami, même si tu ne l'apprécies pas. Alors le secret, c'est d'être toujours poli avec tout le monde. Donc je crois que nos paysages ont façonné ce que nous sommes. C'était agréable de vous rencontrer. Profitez bien de votre voyage en Norvège. Merci. Cette première rencontre m'a donné envie d'aller encore plus au nord, de m'enfoncer dans la nuit. Direction Tromsø, une ville située à l'extrême nord de la Norvège continentale. Je n'ai jamais été aussi proche du pôle. C'est une expérience. Alors, il y a des choses que j'ai toujours voulu savoir, c'est... À quoi ressemble vraiment une journée dans un pays très très au nord, dans ces zones où on dit qu'à certaines périodes, la nuit est presque éternelle. Eh bien, là on a un bon exemple, il est en gros 9h30 du matin, et vous voyez là,
C'est noir. Alors là, maintenant, il est dans les 11 heures. Il y a de la lumière quand même. Le ciel est d'un bleu glacé. Et l'activité, son plein, ça, c'est l'activité matinale. Parce que vous voyez, là, c'est 11 heures du matin. Voilà, ça y est. C'est maintenant. Regardez. Il est midi. Et le soleil est là, juste derrière, caché derrière les montagnes. Il y a une lumière bleu-orangée qui est magnifique. Et puis alors, là, en fait, il est déjà midi et quelques secondes. Et donc, le soleil est déjà en train de se coucher. Et tout ça donne une atmosphère irréelle, comme suspendue, avec cette sensation unique de passer en une fraction de seconde de l'aube au crépuscule. Il est 15h30, il fait déjà noir. Et ici, quand la nuit est totale, elle devient parfois le théâtre de phénomènes naturels extraordinaires. Des phénomènes que Rob étudie chez lui depuis de longues années en scientifique amateur. Toc, toc. Aïe ! Qu'est-ce que c'est ce bruit ? On dirait un vaisseau dans Star Trek. Star Trek, oui. Oui, c'est comme le son de Star Trek. En fait, j'aime beaucoup écouter les signaux de l'espace, mais aussi ceux provoqués par notre mère nature. Et vous passez vos journées à écouter ces sons pour savoir ce qui se passe. Mais pour moi, ces sons, c'est comme de la musique. Alors quand il y a une explosion solaire, on entend ça. Et ça, c'est le bruit électromagnétique du soleil. Et quand il y a une variation dans ce signal, eh bien, je sais qu'il y a alors quelque chose qui est sur le chemin, vers la Terre. Donc, en fonction de la vitesse de propagation, 2 ou 3 jours plus tard, je sais qu'il y aura des aurores boréales dans le ciel. Ah oui, donc vous êtes un prévisionniste des aurores boréales. C'est la nature. Parfois, c'est une surprise, mais la plupart du temps, j'arrive à les prévoir. Ah, c'est incroyable, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Parce qu'il faut rappeler que les aurores boréales, ce sont des lumières qui apparaissent dans le ciel, surtout près des pôles, vous me dites si je me trompe, et qui sont en fait des particules venues du Soleil, qui ont fait toute la distance du Soleil jusqu'à la Terre, et c'est quand elles arrivent sur la Terre que se produisent les aurores boréales. C'est bien ça? J'ai pas dit de bêtises, docteur? Oui, tu as bien étudié les livres. Alors, question essentielle, est-ce qu'il va y en avoir ce soir? Est-ce qu'on va pouvoir voir quelque chose? C'est un peu trop tôt pour le savoir, mais je pense que dans une heure, on en saura davantage. On attend. Ça bouge bien. Et les deux en même temps, le bleu et le rouge. Eh oui, effectivement. Donc, ça veut dire qu'il y a très certainement des aurores boréales dans le ciel en ce moment. On doit pouvoir les voir. Donc là, si on va voir, il y en a une. Vraiment? Oui, oui, sortons, allons voir, il y a des aurores boréales. Regarde vers le ciel. Ah oui. Tu vois, il y en a. Tu les vois, c'est assez fuyant, instable. Je pense que cela va s'amplifier de plus en plus au fur et à mesure de la soirée. C'est comme une espèce de trace verte, une espèce de poussière verte. Ah, dis donc, c'est marrant, ça. Il n'y en a pas seulement vers le nord. Regarde, il y en a aussi par là-bas. Ah, c'est chouette. Mais c'est énorme. Ah, c'est beau. Et là-bas, avec les reflets sur l'eau.
qu'on voit là, c'est de la matière, c'est-à-dire que c'est comme les nuages qui sont constitués de gouttelettes d'eau, ou c'est juste une réaction? Qu'est-ce que c'est exactement? Et ce sont des particules électriques, c'est de la matière, mais très très petite. Regardez là, on dirait un nuage éclairé par la ville en dessous, mais pas du tout, c'est un nuage lumineux en fait. C'est de la lumière légèrement verte. Il y a un nom poétique pour définir les aurores. C'est la dame délicate. Ah bon? Comment ça? Parce que ça va, ça vient. Et tu sais jamais si ça va durer quelques secondes, quelques minutes, ou même quelques heures. Et puis, cette sensation aussi de voir quelque chose de... Bah, c'est naturel, forcément, mais en même temps un peu surnaturel, un peu mystérieux. C'est vrai que c'est un sentiment bizarre, car les aurores boréales sont tellement grandes. Elles sont pleines d'énergie. Cela fait donc du bien de se sentir si petit en regardant le ciel et en voyant ces grandes aurores boréales danser. Et pour moi, c'est une très grande émotion. Alors la Norvège, c'est pas que la nuit, à la mauvaise saison, c'est aussi la neige. La neige beaucoup, parce qu'il y a certains endroits en Norvège où il neige plus de 200 jours par an. C'est énorme, ça fait près de 2 jours sur 3 où il neige, c'est incroyable. Alors quand il y a du blanc partout, comme ça, même sur les rails, eh ben, il y a des machines infernales pour lutter là. Regardez-moi ça. Regardez la hauteur qui est prévue. Une souffleuse, ça. Je pense que ça absorbe la neige et ça la souffle sur les côtés. On va voir. Entrez. Allô. Elle est... Bonjour. Elle est incroyable, votre machine. Elle est énorme. C'est vrai. C'est un bon gros chasse-neige. Et on parle direct. Oui, il y a notre train qui va passer, alors on doit déneiger la voie. Me voilà parti pour une tournée de chasse-neige à travers les montagnes. Des centaines de kilomètres de voies sont ainsi déneigées tous les jours et parfois même 3 fois par jour. Un travail sans fin. Mais c'est gigantesque, pourquoi est-ce que c'est aussi haut et aussi gros? La locomotive se doit d'être lourde et grande, afin de pouvoir passer par tout temps dans la montagne, notamment quand il y a beaucoup de neige. On voit plus rien, c'est comme dans une tempête. Mais alors vous avancez donc complètement dans le blanc. Oui, parfois on conduit à l'aveugle. En fait, quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui, on doit propulser la neige le plus loin possible des voies. Plus on l'envoie loin, plus la neige met de temps à revenir sur les rails. Du coup, on passe moins souvent et la voie est davantage praticable. Par exemple, ici, tu vois à droite, on envoie la neige à 1 mètre et à gauche, elle est propulsée à 41 cm. C'est en fonction de la direction et de la force du vent. C'est comment de passer sa vie comme ça, à chasser la neige, dans des paysages désolés, tout seul dans une cabine? En fait, on n'a pas le choix de notre partenaire. J'ai déjà bossé avec d'autres conducteurs, mais on ne s'entendait pas. Mais nous deux, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, et je ne changerai pour rien au monde. Ouais, on forme une bonne équipe tous les deux. Ah oui, depuis le temps. C'est une habitude. Assis ici, dans cette cabine, on est 2 gars qui profitons simplement de la neige des voies. C'est votre meilleur ami maintenant ? Oui. Oh là là, cette machine !
Même si la neige fait 3 mètres de haut, on passe sans problème. C'est quand même incroyable. Et comment est-ce que vous expliquez que dans certains pays, quand il y a un tout petit peu de neige, les trains soient bloqués? Je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à conduire les trains sur la neige. Mais je crois que, contrairement à nous, vous n'avez pas le bon équipement. Et donc, grâce à vous, les gens peuvent voyager en Norvège par tous les temps. Oui. Bah, bravo, vous avez un beau métier. Merci et au revoir. Je quitte mon équipe de chasseurs de neige à la gare de Finse, en pleine montagne. Car j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous avec Terje, un chasseur pas comme les autres, un chasseur de glace. Hello, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Vous partez maintenant? Vous êtes déjà prêt pour partir là? Yes. Oui. Tu sais, nous sommes en Norvège et il va bientôt faire nuit, alors on doit partir bientôt pour trouver la bonne glace. Ça c'est vrai, je sais ça. Donc là on va chercher de la glace. Oui, pour moi c'est excitant. Excitant. Oui, car je ne sais pas à quoi la glace va ressembler. Et surtout, quelle sera son épaisseur. Si elle sera épaisse comme ça ou comme ça. Ok. On embarque? Là? Je pense que oui. Et alors là, on est dans un endroit qui est quand même juste... moi, je trouve ça. Vous êtes norvégien, vous vous rendez pas compte. Mais moi, je vous dis que c'est absolument sublime comme endroit. Regardez. Mais alors, on marche sur quoi, là? Il y a quoi en dessous de nous? On est sur un lac. Ah, on est sur un lac, là. Oui, tout ça, c'est un grand lac gelé alimenté par un glacier. Mais c'est pas dangereux de marcher sur un lac? Ça peut pas... Ça peut pas s'effondrer? Peut-être. Tu es prêt à nager? Oui, mais je suis frileux. C'est bon? Tu as trouvé un bon filon? Ouais, ça semble pas mal. Il faudrait essayer de faire un trou un peu plus grand. Comme ça, on pourra pousser le bloc pour qu'il remonte et qu'on arrive à le sortir. Ou alors faire un autre trou à côté, ça fera plus de glace. Alors, c'est pas si épais que ça, hein? Ça va. C'est ok? Oui, mais la glace transparente n'est pas très épaisse. Et comme je n'utilise pas la partie blanche de la glace, c'est un peu juste. Mais ça va aller. Ah, ce que vous voulez, c'est le transparent. Oui. Allez, on y va. Allez, comme ça. Philippe, plutôt de l'autre côté, là. Par derrière. C'est assez lourd, hein. Tu vois, il y a quelques bulles d'air dans la glace. Mais je suis content car il y a une bonne couche de glace transparente. Et ça, ça m'intéresse. C'est très bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce petit, cette petite taupinière là? C'est quoi? Peut-être une montagne de glace. Une montagne française. Vous faites une montagne. Les montagnes françaises sont très petites pour vous. Non, en fait, ce bloc va devenir une trompette de glace, un instrument. Vous faites. Attendez. Vous faites une trompette de glace. Oui. Mais vous faites une trompette de glace qui joue? Ah ben ça, j'espère bien. Le temps nous le dira, mais je dois bosser pour ça. Et c'est pour ça que vous cherchez de la glace, pour faire des instruments de musique? Instruments. Je suis musicien, compositeur. Je joue aussi de la batterie, des percus, et j'aime faire des concerts avec des instruments de glace partout dans le monde. L'idée, c'est de venir dans un endroit comme ici, de construire le lieu du concert, de faire les instruments de glace, puis donner le concert au public et à la fin, tout redonner à la nature.
Combien de temps il vous faut pour faire une trompette, là? Je sais pas. Ça va dépendre de la qualité de la glace, de la température, de moi aussi, les outils, tout ça. Ici, en Norvège, les gens ne voient pas la glace ou la neige comme une ressource. Alors moi, mon truc, c'est d'essayer de leur prouver le contraire. Pour moi, la glace, c'est une ressource fantastique, même pour l'art et pour la musique. On sent que vous y allez précautionneusement, hein, c'est touchy. Oui, car la glace est fragile et elle casse facilement. Tu vois, ici, j'ai fait un trou à l'intérieur pour en faire un sifflet. Et maintenant, je vais essayer de les coller ensemble. Et tu sais, en Norvège, on a la meilleure colle de glace au monde. De la colle de glace? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, de l'eau. Puisque l'eau gèle au contact de la glace. Et c'est très écologique, en fait. C'est 100% bio, hein. C'est que de l'eau. Que de l'eau. Et puis tu peux aussi la boire. En fait, c'est sain car on est à l'extérieur. Et ça, c'est bon pour le corps. Et tu peux boire les instruments. Oui, mais pour boire, il faut que vous attendiez que le concert soit fini. Oui, c'est mieux. Quel suspense, surtout après 3 heures dans le froid. C'est lourd. Et ça va? C'est lourd. Je peux tester? Oui, bien sûr. Tu dois le prendre par ici. Bah alors. Il va te falloir pas mal de pratique, on dirait. Faut faire comme ça. Oh bah dis donc. C'est pour eux. Eh ben c'était pas mal. Mais qu'est-ce qui vous anime? Parce que c'est quand même très spécial de passer des heures dans le froid, dans le vent, la nuit qui tombe très vite, etc. À faire quelque chose d'aussi éphémère, qui vous pousse? Je fais de la musique de glace, car pour moi c'est un défi en tant que musicien et compositeur de créer d'autres types de sons. Et puis ces instruments ne m'appartiennent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je les emprunte juste à la nature.